Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est toujours un grand plaisir d'être devant vous et de revenir après un petit temps où nous étions absents sur le réseau. Nous étions en train de faire autre chose qui nous a pris, qui nous empêchait vraiment à continuer. Ça fait presque 10 jours qu'on n'a pas produit à cause justement de ce grand, grand projet que nous sommes en train de préparer. J'espère que mi-juin, donc au milieu de cette année, vous aurez à remarquer d'autres choses. Mais nous étions aussi présents dans nos studios. Nous le sommes toujours. Donc nous comptons peut-être reprendre régulièrement nos émissions après le mois de mars. Donc au mois d'avril, c'est là où nous allons continuer, nous allons recommencer. Mais tous ces mois de mars, nous allons pratiquement être absents. Pas absent vraiment, mais irrégulier, parce que le temps que nous finalisions l'autre projet très très important que nous sommes en train de faire. Alors, qu'est-ce que nous allons parler de ce soir? Il y en a beaucoup. Ma kambweza et belé toko réagir na nini lelo pour na kozonge la ba émission na biso. Ma kambweza na ébite place ni na robande la, mais ce qui me choque aujourd'hui, c'est que sans c'est à urgence et ça na kati ya bande qu'on abisso au bazar na pouvoir te bazar na sans c'est à urgence te problème à Goma et ça qu'on s'est posé. Donc Goma toujours entre le marteau et l'enclume, encerclé, nous encerclé par le M23. Donc les Cambouana est silité, les Cambouana peut et ça loin d'être résolu. On se pose la question, est-ce que bande konabiso vraiment au bazar na pouvoir bazar ko kanisanini? Parce que yango makambo tozo tolobela awa, l'état de siège c'est quoi? L'état de siège zokoma wapi? Nous avons remarqué que batu balobi, donc la cour constitutionnelle a reconduit les députés dans ces zones-là qu'on n'a pas fait les élections. Donc, décision est allée à cour constitutionnelle. Azui Mokano Keno, bah, député, on a siégé dans le Parlement. Mais on se pose la question de savoir. Et où tu vois, puis, Mobeko Nini? Donc, aujourd'hui, la cour constitutionnelle peut prendre toute autre décision qui ne sont même pas dans leurs prérogatives. Bis, ngai na banzi que. Et ça, la carte a pas prérogative na bangote. La loi fondamentale, la constitution n'a jamais prévu ça. Qu'on devrait reconduire ba député oyo na ba place oyo ça na problème. Ça n'a jamais été stipulé dans la constitution. Et là, ko ananga na za komona za ko zongi sa démocratie na biso sima. Et za ko zongi sa biso sima, ça m'a fait du mal. Et donc les gens qui n'étaient pas élus directement, il Kozalawana pendant 10 ans. Moussalani n'ango basala qui na législature passée, on ne sait pas. Bakosalani ni eloko mon côté. Entre-temps, leurs entités sont occupées par l'insécurité. Oyo ngai na za koloba ezali acte moko ya échec. Donc ya il s'avère que bandimi échec ango bandimi que non ba territoire wana et kozala kaka un peu plus longtemps na maboko ya moko na munguna. Donc c'est un aveu d'échec et le cour constitutionnel et lobby ezali aveu d'échec. Et puis nous les Congolais, nous ne devons pas accepter ça. Tokoke ko accepter ango te, nous ne pouvons pas accepter comme ça directement que non. Batouana baza la reconduit et puis l'état de siège na biso eza nini? L'état de siège est souki wapi? Quelles sont les solutions? Ça va faire presque pratiquement 2 ans ngoyo. État de siège wana toyebite place zo kende. Toyebite souki kozala ndenge nini? On sait. Donc l'inconnu reste en place ezako même abiso na place moko o biso toyebite. Moi, je me pose comme question maintenant, est-ce que Bissoba Congolais, même ceux qui viennent au Parlement récemment, au Bazaki na Parlement,
basala kinini. Est-ce qu'ils ont mis la pression sur le gouvernement en place? Tant que tozo loba tozo dénoncer léthargie wana eza ba biloko msusu eza ko slow down marche ya mboka na biso. Eza ko me eza ko tia biso na situation moko oyo on se pose la question est-ce que nous avons vraiment des gens capables oyo bazana ba solution na ba problème ya mboka na biso? Avons-nous ces gens-là? Ou bien nous avons plutôt des pantins, des gens qui sont là, qui ne savent pas quoi faire. Bazo et bate, l'okonini, bazo sala, bazo kende. Nous naviguons à vie. Donc, tozo et bate, ni nango tozo programmé. Qu'est-ce que nous ferons dans 6 mois? Qu'est-ce que nous ferons ceci? Et le président a repris encore ses erreurs du passé à Kokenda Akota, au voyageaka, sans que Babylon comme sous soit kende ko programmé en goté. Quelle est la chose la plus importante aujourd'hui en République démocratique du Congo? Tozo et bayangote. On ne connaît pas absolument Elo Koni Nango Tozo Sala. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce que c'est le gouvernement? Nous voyons que le gouvernement, pour qu'elle soit mise en place, on prend du temps, on donne encore les prolongations. Peut-être que Kabuya sera le premier ministre. Quelle honte! Aux classes politiques, Nabiso, moi je dis que nous sommes vraiment au bas de la page. Nous sommes en train de donner le pays à des novices, à des gens qui étudient. Kabuya formateur à gouvernement, donc c'est lui qui est le premier ministre. Donc, Babilo, Kwana Nyos, autant que tozo cité, tozo kuma, ça fait très très mal et on se pose la question, Mbokanabiso Togo Kine Nenyenin, Togo Suka Wapilelo, on va dénoncer jusqu'à quand? À un certain moment, on se pose la question, mais est-ce que les gens peuvent encore espérer que Félix est dans le deuxième mandat qu'on sale à quelque chose? Je ne pense pas. Parce que l'Ikambwa, est-ce qu'on a la justificatif de tout ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui? Alors, beaucoup de questions sont en train d'être de M. Bazo Posengaï pour l'Ikambwa Est. Mais Germain, est-ce que tu penses vraiment que le M23 va conquérir ou quoi que ce soit? Moi, ce n'est pas à moi de dire que le M23 va prendre Goma ou Bukavu. Ce n'est pas à moi, mes chers amis. Nganaza mutu a M23 te. Beaucoup de gens sont en train de dire bazo qualifié ngaye a honga naza mutu a M23 nganaza kolobela Banyarwanda tout ça. Mais moi je suis qui pour na lobela Banyarwanda na mboka oyo. La personne qui est censée de protéger tout le monde, c'est le président de la République. Quel est le point de vue du président de la République sur la question de Banyarwanda qui habite en République démocratique du Congo? Moi, je pense que ma question, on a besoin de continuer la langue. Même dans le Voice, on me dit, à quand la prise de Goma? Moi, je me pose comme question, Bandeko. Est-ce que Ngaïne Naza porte-parole, il y a M23? Nous tous, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Mais nous analysons, on a contact Pro Live Hour, Nazako rappelé bino que nous réfléchissons sur les solutions. M23, bien sûr, c'est un problème. Moi, je vais terminer par vous dire la solution selon moi. Mon point de vue, mais je ne peux pas vous dire c'est le point de vue du M23 bakozwa mboka mukolonini. Il y a des gens qui continuent à traverser de ces côtés-là. Donc, situation, il y a M23, il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ça ne pouvait pas donner permission à la Cour constitutionnelle. Il y a qu'à reconduire bah, député wana. Non, nous sommes en guerre où nous ne sommes pas. Mboka côté wana tote ki yango ou bien tote ki yango te. Gouvernement lobby nini, est-ce que quand il y a une rébellion, on laisse cette rébellion comme ça? Donc, nous ne pouvons pas, notre armée ne peut pas chasser le M23, notre armée ne peut pas mater les rébellions et les groupes armés qui se trouvent sur nos territoires, notre armée est incapable de défendre le pays. Et par là, vous allez me dire que non, nous allons supporter cette armée-là. Il y a des frères qui me disent que non, Nganaza anti-FARDC. Oui, je l'ai dit. Moi, je ne peux pas supporter cette armée-là. Nganago qui supporter armée OOT. Armée OESA incapable. Naïturi kuna baza koko kakomate banani wanate. A Beni, on continue à tuer les gens. Le pays est incontrôlé, mes chers amis. Donc, pour l'Ikambu, la République démocratique du Congo, pour tout l'obéla yango malamu,
nous avons failli à notre mission parce que le FARDC est incapable de chasser le M23. C'est pour cela. Bazako Senga, force à Sadek, et on m'apprend à la dernière minute que Sadek peut et lobby que mission na bangwa koza la offensive te bako kende ko bunda na nani. Ils vont se battre avec qui? Ils vont mater quel rebelle? Parce que même l'armée ougandaise n'est pas capable à combattre ba ADF au baza côté Grand Nord Kuna. Et on se contente que cette situation est perdurée na ndenge wana. Tozo kende kana bulu yeke kaka bande ko nangai. Nous sommes en train d'aller dans une situation où nous ne savons pas Ekosuka wapi, nous ne savons pas tozo yebate bandeko. Parce que nous avons les accords avec le Burundi. Mais est-ce que le Burundi est aussi le sabare tabala o baza kota mulenge kuna? Nous sommes en accord avec l'Ouganda. L'Ouganda, est-ce qu'elle termine les ADF? Et en Ituri, on vous dira que ce ne sont pas les ADF, ça, ce sont les groupes armés locaux. C'est-à-dire ba Congolais, baza kobo manabango na bango. Tout ça, faute za wapi. Où est la faute? Moi, je me dis, nous sommes en train de faire de mauvaises analyses de la situation à pays Nabisson. Et cette mauvaise analyse consiste à quoi? C'est-à-dire que nous ne réfléchissons pas sur les solutions globales qu'il faudrait appliquer. Et quelles sont ces solutions globales qu'il faut appliquer? La solution globale qu'il faut appliquer, c'est que nous prenons le dialogue intercongolais. Ce n'est pas le dialogue avec les M23, ce n'est pas le dialogue avec qui que ce soit, ou bien qui, quel que soit ces groupes armés. Mais ça doit être un dialogue qui doit se dérouler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo entre les Congolais pour qu'ils puissent chercher la solution globale des institutions, la solution globale de la réconciliation nationale et la cohésion nationale pour qu'en fait tobanda kosala tobanda mosala ya kotonga mboka oyo ensemble. Voilà ce que la forme de dialogue obiso toza ko prôner awa. Nous ne cherchons pas à ce que Félix Tshisekedi a benga M23 babanda kosola. Non, nous ne sommes pas pour ça. Nous ne sommes pas pour que batu moko boye bakamata na oba kende soki wapi bakende kosolola. Ce n'est pas une question de politiciens. Et loko toza nango awa. Moi je pense et nous prenons ici que la solution doit être globale et cette solution là ne peut pas être politique. Ça doit être une solution de la justification yako justifier pourquoi nous sommes dans cet état aujourd'hui et que chaque Congolais au hasard reconnu Congolais ape sa mongongo na eteza makambo avo, teza makambo ako distribuer pouvoir te. C'est une question de la survie de notre pays. Donc, il faut l'implication de tous les Congolais. Et comment on va le faire? Parce que nous devons quand même déléguer le pouvoir à certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir que détient Félix Tshisekedi n'est pas un pouvoir légitime. Pouvoir en est un pouvoir légitime te. Félix a sali makamunaye, makamuo, ba élection, et puis il continue à dire que ça, c'était des élections qui justifient sa présence à la tête de cette république. Mais malheureusement, Azako Kokako a porté ma solution T. La solution, ce n'est pas aller prendre ses amis pour que Bobandako se redistribue Mbongo T. Bandeko, il faut que nous puissions aller à réfléchir très profondément sur comment nous pouvons y aller. C'est ainsi qu'ici, à Contact Pro Live, Nazo répétait Angoli Soussou. Le dialogue que nous prenons ici, c'est un dialogue de refondation du Congo. Et il faudrait que nous puissions avoir l'implication de tous les Congolais. Nous avions déjà, depuis 2019, à proclamer ce développement des 145 territoires. C'est dans les 145 territoires que nous devrons absolument aller trouver des solutions pour ces problèmes qui se posent aujourd'hui. Nous nous sommes dit que le dialogue doit se dérouler dans les 145 territoires afin de voir, de revoir sur la reconstitution du pays par une nouvelle constitution. Proclamons un nouveau Congo. Voilà le schéma. Biso tolobaki que ce qui Félix a kokiki kozwa schéma otoza ko expliquer awa. C'est-à-dire quoi? Félix proclame un nouveau Congo à lobi bandeko. Nous devons nous mettre d'accord parce que nous sommes en retard. Mboka na biso toza ko kende ko bomaka yango. Bato ba ko bongisa mboka o eza mundele te.
Bato ba kobongisa mboka oeza ba chinois te, eza ba turke te. Bato ba kobongisa Congo na biso eza biso moko. Nous devons prendre des solutions qui va nous ekotia biso na bomoko. Na bomoko nde batu balonga kabande konangai. Mais président za kaka ko échapper wana. Pourtant, na premier mandat, oane zalaki erreur moko asalaki. Et puis il le regrette lui-même, tant waza koloba ke non. Même regret ezali ke ndengeni na kabwana ki na nani na FCC. Nous avons besoin de toutes les voix. Batu nyonso tout, de tout courant politique. Batu nyonso tout, ba vande ensemble. Et il faut pas que to vande sa batwana na Kinshasa te. Nous devons faire un mécanisme qui va faire à ce que ba solution o e outi na se to encadrer en on a renouvellement ya classe politique ya batu oyo bisomo ko to choisir à la base qui vont choisir qui vont réfléchir disons qui vont mettre les solutions que nous allons prendre pour na ko résoudre problème à Congo, c'est-à-dire nous allons y aller comment biso a to zolo baboye dans les 145 territoires les gens doivent se choisir un groupe de 300 personnes. Pourquoi dans les 145 territoires? Parce que c'est facile. Il y a qu'à réunir 300 personnes bato ba yebani na kati ya ba territoire. Na kati ya ba territoire qu'ils vont constater tant que 300 personnes wana baza réuni ba koki ko banda ko loba bandeko awa problème insécurité na biso eza nini? Problème awa ezali nini? Tozoi ban alors mission ya wana ko zala nini? Les 300 personnes devront se réunir pour deux ou trois choses. Mission Eliboso. Réfléchir sur une nouvelle constitution. Deuxième chose, l'identification de la population, que ce soit dans les territoires qu'on va mettre la structure de base pour identifier la population. Et trois, imposer une paix qu'ils vont se dire, nous dans notre territoire, nous allons sécuriser notre territoire. Et ici, beaucoup plus dans les territoires où il y a des massacres et où il y a des problèmes de sécurité. Nous parlons ici de Nyiragongo, nous parlons ici de l'Ituri, nous parlons ici de du Kwango, côté Osoki Kwango, Osoki Ikunani, côté Bamombondo Bazali. Dans ces territoires-là, nous allons favoriser une certaine accalmie en disant nous allons former quoi? Dans ce territoire où il y a l'insécurité, les unités qu'on appelle la police de proximité, cette police-là devra être constituée des gens reconnus, identifiés par les états de lieu de ce territoire-là. C'est-à-dire que Batu Oyo Bazana Kaba Simba Mando qui n'a pas territoire Wana. Tango Batu na Bango Oya Likolo Balobi. Parce que pourquoi je dis ça? Wilingoma na batuna ya M23 tango baza ko conquérir ba territoire na baloba kabiso boza eza toza bana na bino. Nous sommes des Congolais. On ne vient pas être on se déclare pas un Congolais avec des armes, non. Comme nous vous connaissons, venez vous identifier avec tout le monde que vous reconnaissez entre frères boloba que bon OK. Na kati ya 300 personnes au baza na état de lieu au awa. Nous allons avoir aussi notre quote-part. Ainsi, Bato Basimba Mandoki, venez vous identifier. Vous êtes à combien? Venez ici dans les territoires. Comme ça, nous allons nous prendre en charge et discuter sur le problème du Congo. Parce que les réclamations du M23, ezali kaka makambo territoire T, ezali makambo tribu moko T. Ils disent qu'ils ne sont pas en train de se battre pour une tribu. C'est ça, nous allons le mettre en face de leur problème. Boya ko sololana baninga nyoso bolobi na kati ya territoire na bino awa bozaba congolais. Voici nous allons avancer avec une nouvelle structure d'un nouveau Congo. Pour que ça la président, nous devons discuter ça ici au niveau des territoires. Et maintenant, ba discussion na territoire lorsque ekosi la pour na ba résolution ana tokozwa ba texte wana le unique texte du territoire et dans chaque territoire totindi batu na niveau ya province pour ba harmoniser ba texte wana na niveau ya province ou outi na territoire. Pendant ce temps-là, l'identification continue de la population au niveau des territoires parce que nous pouvons mettre ce mécanisme là en place. Mécanisme wana tangweza ko fonctionner
okomata sikoyo na nini na 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 na, na organisation donc générale il y a solution il y a République démocratique du Congo sur le plan des textes au niveau des régions où on va harmoniser les régions et na batu o ba uti na kati ya territoire qu'on va les envoyer là-bas on peut reconstituer encore une fois une assemblée de 300 personnes ou bien même de 200 et dans lequel dans les 200 nous allons encore choisir na kati ya ba province batu o ba kokende ko harmoniser texte na niveau national et c'est ce texte là qui sera un projet d'une nouvelle constitution qui devra être passé maintenant na référendum à ce moment-là l'identification sera terminée batu na batu ba kokoyeba ke no awa nous sommes à 300 000 à de l'autre côté nous aurons un chiffre presque exact des nombres de Congolais qui habitent dans le territoire et sur l'étendue de la République. Et c'est comme cela que nous pouvons organiser les élections en ayant déjà donné aux Congolais leur carte d'identité et en créant une donc liste de Congolais. Nabako namambo comme sous balobaka liste identitaire. Et nous serons déjà maintenant à mesure de créer cette liste-là que nous pourrons maintenant soumettre au référendum. Voilà un peu ce que je voulais réagir dans le sens où nous donnons la solution, mais nous pensons que ce que Félix est en train de, dans lequel il est en train d'aller, vraiment, a zokende bienté. Tozo kende kaka na ba répétition à 2019, donc a kokoya kaka na ba mitambwana, finalement 5 ans au toko le kisango pe kaka, solution mon kope et zoamite. Voilà un peu mes chers amis, soki bolinga ki moi intervention oyo, tiens moi like. Partagez ma émission. Oh, ce que vous avez là pour la première fois, ce que vous avez là pour la première fois, abonnez-vous. Nous avons besoin de vos abonnements. En attendant, je vous souhaite de bonnes choses. J'espère que vous causez la soussou suite à l'émission. Oh, parce que vous avez une question pour expliquer la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Donc, ne manquez pas dans le prochain numéro qui sera peut-être demain ou après-demain. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.